tu fermes tes frontières sans signer. Sans signature. Tu fermes tes frontières sans signature, monsieur Alpha Condé. Ni accord. Mais pourquoi tu veux des accords et signatures pour les réouvrir? Eh, monsieur Alpha Condé, il faut respecter quand même les Guinéens. Il faut respecter quand même les Africains. You know? Vous avez fermé votre frontière parce que tout simplement, vous pensez que c'est UFDG qui veut créer la rébellion. C'est UFDG qui veut instaurer les missionnaires. Vous comprenez, non? C'est très simple. Et c'est très facile à comprendre. C'est à cause de ça que vous avez fermé votre frontière. Vous avez fermé votre frontière parce que vous pensez que, oui, c'est les Sénégalais qui souffrent. C'est des Bissagais qui souffrent, non? Ce ne sont pas des Bissagais qui souffrent, ce ne sont pas des Sénégalais qui souffrent. Mais c'est nous les Guinéens qui souffrent. C'est les Guinéens qui souffrent. Il y a plus de 3 millions de Guinéens qui vivent, qui est résident à Dakar. Plus de 3 millions résidents, Guinéens résidents à Dakar. Plus d'un million ou bien 2 millions résidents en Guinée-Bissau. Mais quand vous fermez les frontières, c'est les Sénégalais ou bien c'est les Bissagais qui souffrent, qui vont souffrir. Ah, c'est les Guinéens. Peut-être vous pensez que oui, les commerçants qui font rentrer les marchandises, c'est des peuls, ouais, tu veux boycotter les peuls ou bien les commerçants peuls. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que ici, regarde. Ici, j'ai vu les commerçants soussous, les commerçantes soussous, les commerçantes malinquées, les commerçantes forestiers qui viennent prendre les habits Macky Sall là. Ouais, Eran Wobel Guinée. Eran Wobel Guinée, Oura ministre, ça n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, une frontière balandé Toroma, autant Toroma. Nous avons fait un motor, les Guinéens qui ont un motor. Donc, monsieur Alpha Condé, il faut signer ton accord. C'est toi seul qui dois signer ton accord là. Personne ne va signer ça pour vous. Personne ne va signer. C'est vous-même qui va signer votre accord parce que vous avez fermé la frontière sans le consentement des autres présidents. Donc, vous allez assumer, vous allez réouvrir encore. Hein? Pourtant, on a dit, ouais, c'est des missionnaires qu'il fait Bissau, missionnaires qu'il fait Sénégal, on a sa pouvoir, ma fin de ma souris, comme une réquie. Donc, on a dit, on a accord signé. Étonnamment, la mère a accord signé. Voilà, donc, je le fais motorer, les Guinéens n'ont motorer. Prenez l'exemple terre à terre. Exemple terre à terre, hein. Le président, comment il s'appelle? Le président de l'Assemblée. En dessous, Amadou Damaro. Président de l'Assemblée, Amadou Damaro. Quand il est tombé malade, Fatou Far, je le fais rogner, bah, pas d'un dame. Hein? Donc, au tableau, ma aura ennemi nana yul fura, aura ennemi mouna yul fura. Autin non dima, autin vérité ma. Autin vérité ma. Est-ce que vous comprenez? Président de l'Assemblée, Tofura Fatou, il était obligé de venir à Dakar. Il était obligé de venir à Dakar parce que c'est ce fagne mounana. Hôpital fagne mounana, c'est ce fagne mounana. Donc, on a frontière, il y a un peu de temps. Il faut bien faire, yo mais. Yo le fera do ni mukel mo ko yo nu yo le fe wo ya modon ni kere nyan na ba ma wo nu yo le fera do ni en tagi ku ya le gina ke nu yo le fe wo ga do ni tagi ku ya alo banu kore numba. Ouais, mon frère, même si le ministre a signé, il va comprendre. Mais nous sommes tous les Guinéens sont tous. Moi, je suis déjà là. Je suis au Sénégal. Ma deuxième mois, je suis au Sénégal. Ma vacances, deuxième mois. Mais est-ce qu'il y a 1 million de Sénégalais en Guinée? Il n'y a pas 1 million de Sénégalais en Guinée. Il n'y a pas 1 million de Bissagais en Guinée. Vous comprenez, non? Donc, quand on parle là, essayez de comprendre les choses.
Yol fwe mune, yol fwe 1 million muna wongwoye. Amuna, ina bisage tongo 1 million muna wongwoye. Aske a comprendre. Donc, on t'en a tourore. On t'en a tourore, ra accord signé, ra misé nou misé. Non, non, non. Quand je vois les blogueurs, les communicants de RPG, Arc-en-Ciel là, qui disent que oui, Ambalo c'est un le président Ambalo c'est un comédien. Là, dit là, il est là. Honte à vous. Moi, je pense bien que vous, les RPGistes là, vous aimez pas la Guinée. Wallahi billahi là, vous aimez pas la Guinée. Vous aimez pas la Guinée. Si vous aimez la Guinée, si vous aimez réellement la Guinée, wallahi wamuna wayni falama. Parce que il y a pas 500 personnes, il y a pas 500 bisagé en Guinée. 500 bisagé na la Guinée berentongo, tu prends tout la Guinée, tu ne peux pas faire sortir 500 bisagé en Guinée. Mais quand tu prends Guinée-Bissau, j'ai fait 3 mois là-bas. Quand tu prends Guinée-Bissau, il y a 2 millions ou bien 3 millions de Guinéens. Vous savez que les Guinéens n'ont pas nombreux en Guinée. Hein? Ouais, on n'est pas nombreux en Guinée. Mais quand tu sors en aventure, c'est là-bas que tu vas comprendre que ouais, les Guinéens, on est nombreux. On est nombreux. Est-ce qu'on va comprendre? Donc, en communiquant, RPG aura communiqué de Rocky. Ça soit gueulé devant la marche que oui, Ambalo c'est un comédien, telle personne est un comédien, missé. C'est parce que vous aimez pas les Guinéens. Vous aimez pas les Guinéens. Omu ya Gimayato aura ministre, et de man aran soumé ma, et boubou naran soumé, mais fatongo ma dakane bi. Et fatongo ma dakane. Yo le fois, missé tongo ma la Guinée, rafa mati de dakabi, missé. Misé, yo le fois misé tongo la Guinée rafa mati Dakar. C'est mon nana. Yo le fois misé c'est tongo ma wongwanya rafa mati wongwanya. Mais commerçant yé nabi, tout n'arrive pas du kisara de rafa mati.